Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de S'entraîner comme un IFBB Pro. Aujourd'hui, on est avec un monsieur exceptionnel. Certains le connaissent peut-être, d'autres j'imagine que non. Il va se présenter à vous. Baki, est-ce que tu peux te présenter aux abonnés qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Shamsudinov Bayzangour, alias Baki. J'ai 20 ans, je suis combattant professionnel depuis maintenant 2 ans. J'ai 6 combats pour 6 victoires. Mon expérience avec la musculation, c'était il y a 3-4 ans. Donc là, on va faire un retour aux sources avec Stéphane. Donc voilà. Ça va être un peu rude parce que ça fait longtemps que tu t'es pas entraîné dans une optique d'hypertrophie, ouais. De prise de masse ou autre sujet. Tu fais plus de la préparation physique qu'autre chose. C'est ça, je fais de la prépa physique adaptée au MMA. Donc faire de la muscu dans un but de congestion, d'hypertrophie, ça va... Ça va faire bizarre, quoi. Voilà, ça va changer. Voilà. Ok. Bah franchement, très très impressionnant à 20 ans que tu sois déjà pro et que tu aies 6 victoires, enfin 6 combats pour 6 victoires, c'est vachement impressionnant. Et une petite curiosité comme ça, quand tu es sur le ring, tu penses à quoi? Bah franchement, je suis content d'y être, tu vois. Ouais. Je suis content d'être dans la cage, je me sens chez moi et j'ai juste hâte que ça commence, quoi. Toi, t'es vraiment un passionné. Ouais, c'est ça. Moi, je suis un passionné du combat, l'art du combat, j'aime ça. Bah, ça se voit parce que au départ, quand je parlais avec toi, voilà, tu as pris le temps de m'expliquer les choses, comment tu perçois le monde du combat, ta philosophie du combat, et ça sentait que tu transpirais la passion. Et moi, j'adore écouter les gens passionnés. Ouais. Et t'as vraiment pris le temps de tout bien m'expliquer. Et dans une prochaine vidéo, tu nous en parleras peut-être plus bien en sûr, détail. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Super. Aujourd'hui, on va faire les pectoraux avec un focus sur la partie claviculaire, donc le haut des pecs. Alors pour toi, ça n'a pas d'intérêt de parler de points forts ou points faibles, retard, etc. Parce que comme tu l'as très bien dit, ton but, c'est pas de faire de l'hypertrophie, c'est d'être performant dans ton sport. Mais puisqu'ici, nous sommes dans une logique de construction d'une masse musculaire esthétique, on va s'autoriser l'espace de cette vidéo de parler de retard, entre guillemets. Et je trouve que sur la partie claviculaire, t'as un léger retard sur les pectoraux. Okay. Et on va s'entraîner dans l'optique de développer ça. Ça marche. Avec un entraînement de IFBB Pro. Bien sûr. Voilà. Je vais tenir. Ah, franchement, le mental que t'as, je m'en fais pas. Avant de commencer, j'aimerais que tu montres ton mouvement, voir si t'as gardé des petits restes quand même de l'entraînement et de l'exécution des mouvements. Ok. Ok. Ça marche. Vas-y. Ok, c'est très bien. Ce que tu vas faire maintenant, ouais. C'est juste cette petite rotation-là pour pouvoir descendre plus bas. Vas-y, descends. Encore, encore. Oh là là, tu vois que tes pectoraux sont plus étirés. Okay. Tu as une meilleure mobilité. Vas-y. Ok, tu peux même descendre un peu plus bas. Voilà, très bien. Là, tu vois que tes pectoraux s'étirent plus. Ok, c'est parfait. Donc là, on va commencer. Tu t'es bien échauffé. Avec les 30, tu vas faire entre 8 et 10 répétitions. Et ensuite, on va baisser la charge, on va passer à 22. Sur 22, tu vas faire 8 répétitions avec une technique d'intensification. Okay. Une double contraction. Tu vas faire petit, puis grand. Okay. D'accord ? C'est un drop set avec une légère difficulté supplémentaire. Ça marche. Voilà. Allez. Allez. 1, très bien. 2, 3, 7, 8. 9 et 10, super. Allez, n'oublie pas, double contraction. Ouais. Très bien. Et 1. Et 2, super. Et 3. 6. 7, et la dernière. Et 8, super. Malgré le fait que ça fait longtemps que tu t'es pas entraîné, je trouve que tu as gardé des bons réflexes. Ouais. Par exemple, là, tes pieds, ils sont bien restés ancrés au sol, sans bouger. Okay. Tu sais, parfois, tu as des gens qui bougent les pieds, ils savent pas où les mettre quand ils font du développé couché, développé aux haltères, etc. Et là, ton transfert de force, il est nickel. Okay. Parce que tu as une stabilité dans les jambes et tu profites de ce transfert de force pour être performant sur ton mouvement. Et c'est nickel. Ok, bah nickel. Après, parfois dans mes prépas physiques, ça peut arriver que de temps en temps j'ai des exos comme ça, tu vois, qui ressemblent. Donc après, c'est quand même un peu resté, tu vois ce que je veux dire. Ouais, t'as le mécanisme de ouais, l'entraînement qui est resté. C'est ça. C'est magnifique. Très bien. 1, 2, tu peux descendre plus bas.
3, ok. 4, 5, 6, 7, 8, allez, jusqu'à 10, 9 et 10, super. Allez, double contraction. 1, très bien. 2, ok. 3, 4, allez, allez, allez. 5, 6, 7, 8. Et là, tu me donnes le maximum de reps possible. Allez, 1, 2, 3, allez, 4, encore, 5, 6, jusqu'à 10, 7, 8, 9 et 10. Super. Là, tu kiffes la congestion, là ? Ouais, de ouf, hein. Là, t'es congestionné à mort, là, des pecs. Ouais. Les bras aussi, ça commence ? Ça commence, triceps. Triceps, ça commence bien aussi ? Ouais. Ouais, ça... Mais quand tu t'entraînes, il y a toujours un truc que je me demande. Tu mets des gants de boxe anglaise ? Ça dépend. Il y a les sparring avec des gants de boxe anglaise. Ouais. Il y a aussi des sparring avec des gants MMA. Et ça dépend. Est-ce que quand tu t'entraînes, est-ce que ces gants-là de boxe anglaise te font beaucoup congestionner au niveau des bras ? Ouais. Énormément ? Énorme, pas énormément, pas comme une séance où je vais chercher la congestion, ouais. Mais à force de garder les bras là, ça peut congestionner, tu vois, aux biceps, un peu aux épaules. Mais c'est pas, la congestion n'est pas immédiatement énorme. Non. Ça vient dans la durée. C'est ça. En fait, tu sens que, tu vois la sensation frustrante que t'as quand t'es congestionné et que t'arrives plus à frapper. Ouais, oui. Bah c'est ça en fait. D'accord, je comprends mieux. Et ça peut te faire abandonner psychologiquement, tu vois ce que je veux dire? Ouais, concrètement. Là, on passe au deuxième exercice, développé couché à la barre, okay. Guillotine. Okay. Tu viens vraiment chercher le plus haut possible. Okay. Et tu vas essayer de prendre une prise large, pas trop large, hein, parce qu'il ne faut pas que tu aies mal aux épaules. Okay. Et tu vas descendre assez bas, puis tu vas remonter en restant sous tension. Tu ne vas pas complètement tendre les bras. Okay. Et il faut que tu fasses 12 répétitions. Ça marche. À la base, sur ce mouvement, après celui-là, je mets lourd. Mais vu que toi, c'est pas ton objectif de t'entraîner lourd, okay. Surtout que ça fait longtemps que t'as pas fait de muscu pur, ouais. On va éviter de mettre lourd. Ok. Ok. Donc on y va. Je pense là on est bien. Super. Et là, c'est parti. 1, plus haut. Plus haut là-bas ? Plus haut, là. 2, voilà. 3, ok. 4. Allez. 8, 9, 10, 11 et 12. Super. Est-ce que t'as senti les épaules ? Ouais, j'ai senti les épaules, j'ai senti les pecs. Ouais. Bah, les épaules, c'est normal qu'ils interviennent, mais si tu les as trop sentis, c'est pas normal. Okay. Donc tu vas resserrer un petit peu ta prise pour pas avoir trop mal aux épaules. Là, je sens vraiment le haut des pecs, tu vois. Ouais, que le haut des pecs. Ouais, vraiment bien le haut des pecs. Bah, c'est normal. Ouais. Parce que là, ce qu'on fait, c'est vraiment mettre un maximum d'effort sur la partie claviculaire en priorité pour pouvoir développer cette partie de façon optimale. Après, les parties, on va dire, secondaires qu'on ne veut pas faire intervenir, interviennent quand même. Ouais, bien sûr. C'est normal. Genre, d'une certaine manière, je sens tout le pec, mm-hmm. Mais c'est vraiment accentué en haut, tu vois. Et c'est exactement ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on cherche. Exactement. Allez, on repart. Et n'oublie pas, resserre un petit peu pour... Je pas trop là, avoir mal aux là, épaules. Là, c'est bien, je pense. Voilà, là, je pense que c'est bien. Ok. 1, 2, 3, très bien. 4, là, c'est mieux. 5, 6, 7, voilà. 8, 10, jusqu'à 15. 11, 12, allez, 12. 13, tout seul. 14, allez, 14. Bon, abandonne pas, t'en as encore une règle. Allez, on y va. Et 15, super. Super. Ah, vers la fin, ça marchait même plus le truc. Ah, j'ai senti que t'as un léger coup de... Ça a désactivé carrément. J'ai vu, bah, c'est normal. Ouais. Quand t'as pas l'habitude, là, t'arrives à un moment où tout simplement ton muscle est fatigué. Et ce qui est une chose qui est aussi extrêmement importante quand on s'entraîne, c'est que plus t'as une connexion neuronale forte, plus tu seras performant dans ton mouvement. Ouais. Mais ça vient avec le temps et l'entraînement. C'est un mécanisme qui se met en place de façon assez inconsciente finalement. Ouais. Tu sais, quand tu commences la muscu, les premiers jours, les premières semaines, tu as ton bras droit qui est plus fort que le gauche, tu tangues, tu n'as pas d'équilibre, au bout de 3 reps, tu n'en peux plus. Mais plus tu t'entraînes, plus cette connexion elle est forte, plus tu arrives à mobiliser de plus en plus de fibres qui se développent aussi, et plus tu deviens fort.
Bah, c'est exactement pareil. Ouais, c'est quand en force, on parle de système nerveux, c'est ça quoi. Exactement, okay. C'est ça. Mais tu vois, par exemple, là, le haut des pecs, ça reste quand même un petit muscle. Toi, est-ce que ça arrive que tu viennes à la salle et que tu fasses que le haut des pecs, par exemple? Alors, le haut des pecs, ça fait partie de l'ensemble du pectoral. Ouais. Même quand je fais que le haut des pecs, il y a les autres parties qui interviennent. Ok. Donc, cette séance que tu es en train de faire, c'est ma séance spéciale partie claviculaire. Ok. Je mets vraiment beaucoup d'énergie pour développer cette partie, toujours dans un but esthétique. Okay. Donc, de manière générale, oui, ça peut m'arriver de venir à la salle que de travailler un seul petit groupe musculaire. D'accord. Par exemple, j'ai une séance, elle ne dure pas très longtemps, hein, à peu près une heure, c'est les ischios. Pendant une heure, je fais uniquement les ischios. Ok. Et à la fin, je rentre chez moi. D'accord. C'est pour trouver une harmonie dans ton physique. Parce que nous, avant tout, ce qu'on veut, c'est être esthétique. Ouais. C'est qu'il y ait un équilibre entre chaque muscle. Et chez moi, j'ai le quadriceps qui se développe plus vite que les ischios. Ouais. Donc, pour rattraper le retard, on va dire, entre ces deux points, bah, je vais mettre beaucoup l'accent sur les ischios. Okay. Faire deux fois, trois fois par semaine, même le muscle des ischios. Ok, d'accord. Ça marche. Alors, on passe à la suite. Là, on va faire un bicep. Okay. On va enchaîner la poulie et les haltères. Ici, on va faire les écartés aux haltères pour vraiment avoir une concentration sur la partie excentrique. Quand tu vas descendre, ce sera beaucoup plus optimal. Et à la poulie, on va mettre l'accent sur la partie concentrique quand tu vas monter comme ça. Donc là, tu laisses un petit tempo ou... Non, même pas. Là, tu contrôles ton mouvement ici. Ok. Voilà. Et tu descends bien. Okay. Et ici, ce sera plutôt l'inverse. Ici. D'accord. Donc, c'est deux mouvements qui sont complémentaires. D'accord. On pourrait croire que c'est une répétition, mais c'est vraiment deux mouvements qui sont complémentaires. Okay. L'un est plus efficace sur la phase concentrique et l'autre est beaucoup plus efficace sur la phase excentrique. D'accord. Mais vraiment, t'as un travail optimal sur tes pectoraux quand tu fais ça. Donc, on va essayer. Okay. Si tu as mal aux épaules, on abandonnera ce mouvement pour se concentrer uniquement sur celui-là. Ça marche. Mais je pense que tu as plutôt un point fort pectoraux. Okay. Donc, tu n'auras pas de problème avec normalement, ça devrait le faire, ouais. Donc, juste j'écarte les bras. Voilà. Tu montes. Allez, monte. Monte. Là. Et tu descends. Sors les pectoraux. Descends. Voilà. Et monte. Ok, super. Allez. Voilà, tu vois là, l'étirement est tellement optimal. Voilà, allez, 2, 3, 4, 5, super, 6, 7, allez, 8, encore 2, 1, et la dernière. Et 2, super. Ça va être plutôt sur la contraction du coup. Voilà. Alors, ce mouvement, il est vachement intéressant. Okay. Parce que tu vas vraiment aligner la trajectoire du mouvement dans la trajectoire des fibres du pectoral. Okay. Plutôt de la partie claviculaire. Okay. Donc tu seras là, tu vas avancer, et là, tu vois, le focus, il est là. Okay. Plus tu vas descendre l'humérus, donc ton bras, plus tu auras un étirement et une contraction très forte. Ça okay marche. Je fais les deux en même temps. Les deux en même temps. Voilà. Là, je suis bien. Là, tu es très bien. Allez, on y va. Super. Allez. Voilà. La partie claviculaire est bien engagée. Super. 2. 3. 4. Vraiment comme ça. Regarde, comme ça. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Tu sens bien wow le défait. Je sens bien. Sur les deux exos, je sentais bien. Sur les deux exos. On va terminer l'entraînement avec un dernier mouvement. Ok. Ici à la machine. Toujours pour focus sur la partie claviculaire. Là, c'est jusqu'à l'infini le nombre de reps, jusqu'à l'échec. Et je veux que tu restes sous tension tout le temps. Donc, va pas en haut, repose et descends. C'est comme ça. Comme ça, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Tu fais le maximum de reps que tu peux. Ok. Okay. Allez. 1, 2, 3, un peu plus bas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, un peu moins vite. Allez, 14, 15, voilà, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. C'est bon. Très bien. Tu vois, même ici à la machine, tu as une légère inclinaison pour t'obliger à faire la rotation que je t'ai montré tout à l'heure. Ça te permet de vraiment aller tirer ton pectoral au max. Parce que automatiquement, en fait, ça suit le sens des fibres, c'est ça? Exactement, c'est ça. Donc quand tu es assis comme ça, ça suit direct le sens des fibres. Ouais. Tu vois que plus tu descends le bras, plus ça s'étire. C'est exactement ce que fait la machine. Baki, t'as pensé quoi de l'entraînement? Franchement, j'ai grave kiffé. Ça m'a rappelé des souvenirs là. Ça faisait longtemps que j'ai pas eu une congestion comme ça. Ouais. C'était à l'époque, il y a 3-4 ans, quand j'allais juste à la salle, tu vois. Donc ouais, franchement, ça fait grave plaisir. Et bah franchement, t'as un excellent physique pour un combattant. Je t'avoue que je suis un peu surpris. D'accord. T'as vraiment une belle construction musculaire. T'as un dos très large. C'est étonnant d'ailleurs. Est-ce que tu fais un focus sur le dos quand tu prépares? Non, après j'ai eu un passé de judoka, on tire beaucoup. Ouais. Et je pense que c'est surtout de la génétique, tu vois. Mon grand frère aussi, il a un dos très large, mon père aussi. Donc, Ouais, j'ai vu les photos de ton grand frère, excellent physique. Hein. Ouais. S'il nous regarde, il a un très très bon physique. On pourrait même croire que c'est un bodybuilder, alors que pas du tout. Ouais. Il a un très bon physique. Et je trouve aussi que sur cette partie construction pec, épaule, bras, il y a une belle harmonie. Mm-hmm. Ça rend vraiment hommage à ton physique. Et je pense que quand tu es en cutting, quand vous perdez du poids, tu dois vraiment avoir un physique bien sec, bien tracé. Ouais, souvent, ouais, quand je suis à 2 semaines du combat, franchement, j'ai un très très bon physique, sec, affûté. Et tu perds jusqu'à combien de kilos dans cette période? Au total si je compte toute la prépa, donc 2 mois avant, je perds quasi 10 kilos. Oh, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Et t'es pas fatigué quand tu entames un combat, un truc comme ça? Non, parce qu'en fait, la grande partie du poids, donc environ 7 kilos de poids, c'est surtout de l'eau qu'on va sortir et qu'on va remettre entre la pesée et le combat. D'accord. Donc si on fait bien les choses, normalement, on est à 100% en combat. Ça ressemble un peu à ce qu'on fait dans le body avant de monter sur scène. On recharge, nous c'est peut-être 24 heures avant. Vous, vous avez un laps de temps de quoi? 24 heures? Ben, de 36 heures. 36 heures. Ça veut dire que t'as la pesée jeudi matin par exemple, ouais. Et le combat donc vendredi soir, donc t'as tout ce temps pour recharger. T'as tout ce temps pour te reposer, recharger, tout. C'est très important. Après, faut pas faire n'importe quoi, faut pas c'est venir normal. Manger des pizzas, tu vois. C'est normal. Parce que le temps de digestion, t'es c'est ballonné, ça. Etc. Et ben, on retrouve un peu le même système dans le bodybuilding, mais nous on a un peu moins de 24 heures parfois pour faire ça. Ok. On arrive au terme de cet entraînement. Merci beaucoup, Baki, de nous avoir accordé du temps. Merci à vous de m'avoir invité, les gars. Ça fait vraiment plaisir. Et on vous invite à le suivre sur Instagram. Il partage des moments de préparation, de combat. Il explique un peu ce qu'il fait dans sa vie de combattant. Et c'est très, très intéressant. Je trouve que ça montre vraiment la pugnacité qu'il faut pour être dans ce milieu et la discipline qu'il faut. Et franchement, respect pour ce que tu fais. Et merci encore d'être venu. Merci à toi, frérot. Et tout le respect pour toi aussi, frérot. Yeah.